Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau match Marcus contre Julien. Exactement, mais cette fois-ci sur Kinect avec la Xbox One. Avec Fantasia. On va vivre un moment un peu poétique là. Je sur pense qu'on est parti pour de la grosse poésie. Là, ça va poêter, peut-être plus haut que son cul. D'habitude, c'est un peu physique et là, on va être des chefs d'orchestre. Exactement, c'est un duel de mélomanes, j'ai envie de dire. On va avoir différentes musiques, pas que des musiques de Disney d'ailleurs. On va essayer Queen par exemple, Bohemian Rhapsody. Il faut faire des gestes gracieux, un peu comme un chef d'orchestre en rythme de sa musique. On montre ? Allez, c'est causé, en avant la musique. Alors, pour lancer le mode multijoueur, il faut serrer la main, Marcus. Ah, pardon. Alors voilà, ça montre notre fair play, c'est important. Voilà, ça va lancer le mode multijoueur, normalement. Très bien. Et on va commencer avec la première musique, Queen. Queen, pas mal. Un classique. Déjà bien. Un classique, on rappelle, sur Xbox One, avec Kinect. Donc le but du jeu est bien entendu d'accompagner avec les gestes, ce qui se passe à l'écran visuellement. Comme un chef d'orchestre, plus ou moins. Donc ça fait des choses assez gracieuses, déconcertant. Et celui qui fait le meilleur score va gagner. Voilà, donc c'est forcément Julien qui va gagner quoi qu'il arrive. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il y a un avantage à chaque fois dans les victoires. Les musiciens s'accordent, nous aussi. Alors, faut choisir. Au moment où... Donc là, on va choisir chacun nos instruments. Ouais, tu choisis, je crois que ça n'a pas trop d'importance en fait. D'accord, moi j'ai pris cette trompette. Depuis tout à l'heure, moi je mets en haut. Ah d'accord, ok, bon j'ai mis en bas. C'est toi qui as la main, on dirait, c'est pas grave. Vas-y, toi t'es en jaune, alors les téléspectateurs qui nous regardent, Marcus est en jaune et moi je suis en bleu. Voilà. Donc ça va commencer, attention, moment. C'est pas ma couleur préférée. Installez-vous. Allez, voir, ça va être musical. 0 à 0 pour le moment. Donc Julien est bleu, c'est lui qui commence. Ah, j'ai raté. Tiens, bim, 1197 points dans ta face. Ah oui, il faut rester là, ok. Les bleus, c'est pour Julien. Les jaunes, c'est pour moi. Ah, bien, Marcus, bien. Et quand c'est les deux couleurs, j'ai tous les deux en même temps. Il faut que je fasse l'autre geste, en fait. Ouais, bien. Quoi ? Pour l'instant, Marcus a l'avantage. On entend les petits instruments. Là, c'est tous les deux en même temps. Attends, c'est les deux couleurs. Je sais pas si on a le droit de faire avec deux mains. Moi, je fais les deux mains. Faut être gracieux, hein, n'oublie pas. La grâce, Marcus, la grâce. Oh, la graisse, tu veux dire? Parce qu'on a fait pas mal de trucs sportifs jusqu'à présent. Si c'est pas poétique... Non, bah vas-y, fais tout seul, hein. C'est pas mal, hein. C'est reposant, j'ai envie de dire. C'est un peu comme Wii Music, c'est-à-dire si tu réussis les trucs, on entend bien ton instrument, sinon il y a comme un silence dans la bande-son. Attention. Je pense qu'il faut se laisser porter, Julien, par la poésie du moment. J'essaye de rattraper mon score quand même, parce que tout à l'heure, j'ai raté au début, en fait. On est bien. Allez, x3, attention. Je ne sais pas pourquoi x3, mais c'est comme ça. Ça s'énerve à un moment, hein. Ouais, maintenant, concentré. Ça, c'est toi, ça. Là, y a rien à faire. On est bien. Marcus en tête, tout le corps. Marcus en tête pour l'instant. C'est parce que je paye de ma personne. Je pense qu'on a l'air assez gracieux. Attention. C'est vrai que ça rappelle Mickey dans Fantasia. Oh, j'ai raté. C'est un peu le chef d'orchestre. Pas 3, attention. Alors, le petit rond, faut pousser vers l'avant. Ouais, faut pousser. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Superbe forme géométrique, ça va faire peut-être un feu d'artifice. Oh, regarde-moi cet ensemble, Julien. On est bon. D'habitude, on s'affronte. Il y a le gentil catcheur et le méchant catcheur, mais c'est la première fois qu'on est autant en harmonie. C'est la paix dans le monde, faites la paix, c'est bon. Prix Nobel de la paix pour tous nous deux, ensemble, là. Levez les bras chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ah, tu as pris une petite... Il faut faire sa propre musique. Ah d'accord, je vais faire ça. Je sais pas ce que ça va faire. C'est notre petit solo en fait, c'est ça?
compris. J'ai secoué mes boules, je sais pas à quoi ça va nous mener, mais on va bien voir. Eh ben attends, je te le repasse. Ah, faut arrêter de bouger au bout d'un moment. Faut que ça s'arrête. Quoi? Moi, je vais arrête de bouger, non, faut que ça s'arrête au bout d'un moment. Oh, mais c'était rigolo, ce secouer les boules. T'es sûr? Je suis pas sûr de ta stratégie. Ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Voilà, c'était l'instant solo. C'est Maître la Mèche qui m'a dit ça. D'accord. Alors attention, faut taper. x3. Alors attends, encore. Alors j'ai une petite avance, mais. En général, tu gagnes toujours sur la fin. Ça va plus vite là. Ah oui. Attention. Celui-là est pour moi. Pour l'instant, Marcus mène d'une courte avance. Je suis plus mélomane que toi, je ne sais pas. Pas trop, attention. C'est la fin là. Ah, ça va être chaud. Feu d'artifice. On a presque complété le triangle de la paix dans le monde, Julien. C'est magnifique. Je crois que c'est une victoire de Marcus là pour l'instant. Ouais, attention, ça va aller vite, toi. Allez. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais je m'en fous, je danse. Vas-y, fais. Écoute, cette boule a l'air de me suivre. Bon, là, c'était pour le délire freestyle. Là, on arrête. On bouge plus. Ça va s'arrêter. Mets-les-moi comme ça, comme moi. C'est curieux. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris à ce moment-là. Faut s'arrêter au bout d'un moment. Il est en train de me carotter des points, là. Je vois venir. Non, je triche pas. C'est rock'n'roll. Alors, attention. x1. Il y a 20 000 d'écart pour l'instant. C'est pas fini. En plus, Bohemian Rhapsody, ça s'arrête jamais. Queen, hein, c'est un morceau qui dure Queen, c'est ton époque en plus, Marcus. Ça, ah, moi, j'adorais Queen. Toi, t'as connu tous les présidents, Marcus. Raymond Poincaré. Sadi Carnot. Hey. Attention, x3. C'est la fin, je pense. Marcus, je crois que t'as gagné, là. Je ne sais pas. Je sais pas où on est dans le timing de l'émission, Maître la Mèche. On peut continuer encore. Ah, écoute, on peut continuer encore. Je crois qu'on aura le temps pour une deuxième chanson. Mais là, je vois les scores. Moi, dans ces matchs, il faut que ce soit de la musique. Attention. Si c'est pas karaoké. Allez, chez vous. En fait, quand tu fais à l'instinct ce que tu ressens, ça marche. C'est assez rigolo. Attention. À l'instinct, c'est-à-dire, Marcus? Bah, je sais pas. Tu gesticules comme t'as envie, en fait. Ah ouais? T'essayes pas de comprendre le jeu, tu fais juste des petits mouvements. En même temps que la musique. x6, ça sûr. Marche. Après, les scores, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi. Ah, oh, j'ai raté. J'aurais dû le réussir, celui-là. Et moi? Ça, c'est ton moment, là. Ah, c'est pas mal, c'est reposant. Ah, j'ai tout raté à la fin. Attention, ça c'est dur. Oh, ah, moi j'avais raté dès le début, mais c'était beau, bravo. Bravo. Et dis donc, bon j'ai gagné. Un bon moment, un bon moment sur Game One. Incroyable. De la poésie, c'est pas tous les jours, hein, de la poésie sur Game One. C'est vrai. Ouais. Et Victor, regardez, victoire de Marcus, que j'applaudis. Très modestement, parce que j'ai absolument rien compris à ce que j'ai fait, mais... Alors, attends, on va revenir à la bibliothèque musicale, est-ce que ça va... Tu veux nous choisir un autre petit morceau? Regarde, essaye de choisir un morceau. Alors, est-ce que c'est moi le chef des morceaux? Tac, retour... Non. Sors de là. Alors, retour à la bibliothèque musicale, va à gauche. Je bouge plus, moi, je te laisse faire. Tac. Mais en même temps, je suis pris par le démon du rythme, alors comment faire pour ne pas bouger? Qu'est-ce qu'on va nous mettre? Mozart. Eine kleine Nachtmusiken! Für euch, meine kleine Freunde! Allez, Mozart, pourquoi pas? Yeah. Et alors, toujours avec les gestes, on vous rappelle, on va essayer de bien se mettre dedans. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de salut nazi ou des trucs comme ça. Mais non, non, il n'y a pas ça. Pourquoi Mozart? Non, mais un geste, c'est vite arrivé. Non, 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 il n'y a pas de ça sur Game One. Non, c'est pas notre genre, sûrement pas. Ça va pas. Ah, allez. Alors, attention, là,
je sais pas ce que c'est à chaque fois ce truc là. C'est le choix des instruments. Choix des instruments. Mais ça change rien, je crois. Enfin, j'ai pas vu la différence. Bah, si, parce que quand on s'était entraîné, on avait un son différent. Ah, c'est pour ça que j'ai perdu à l'heure tout à l'heure. Par exemple, qui cherche des excuses. On aura le piano plutôt que la voix, ou tu vois ce que je veux dire. Allez, Mozart, Mozart sur Game One, qui l'aurait cru. À la limite sur Mozart sur Game One Music HD peut-être. Ah, il est techno quand même, le Mozart. Oh, oui, ça a quand même marché, ça a quand même zooké. Il est techno quand même, un peu zouk. Un peu zouk, le Mozart. Qui est la compagnie Créole. Qui veut pas Mozart. Allez, attention, pour les fêtes de fin d'année. C'est classe. Il y a un peu de Mario quand même dedans, tout pas. Oui, c'est vrai. On dirait un niveau de Mario. Écoutez chez vous. Koopa Troopa Beach. Ah, Mozart doit se retourner dans sa tombe, le pauvre vieux. Mais non, Mozart, il est sur Game One, quoi. Attends. Ah, tweetez-le, ça, c'est énorme. Ah, écoute, alors ça me rappelle Rondo Veneziano, un groupe de merde des années 80 qui reprenait de la musique classique, qui massacrait tout, c'était terrible. Attention. Alors, ah là, non, là, reste comme ça, parce que comme ça, on passe le niveau. Bouge pas. Pas très respectueux vis-à-vis de Mozart. Non. Ouais, au moins c'est très mousse. C'est pour que ça s'arrête, parce que ça c'est un niveau freestyle où tu enregistres ton morceau. Ah d'accord, et nous ne voulons pas enregistrer. On veut pas que ça reste à la postérité, continuer la partie. Faire, c'est bien normal. Attention. Pas mal, hein. Je ne sais pas pourquoi je gagne. Mais t'es plus en dans mon inconscient. C'est mon côté allemand qui doit ressortir peut-être. Ah, t'as un côté allemand? Oui. Ah bon? Eine Kleine. Eine Kleine, je tue que mein Schatz. Ça veut dire ça aurait changé beaucoup de choses, mon trésor. Allez, attention. Et au final, on a dit c'est reposant et celui-là, il est pas reposant. Hein. Ah bah, évidemment. C'est la version. Allez, attention. Caribbean, pas grand, Caribbean. Essayez chez vous, hein, chez vous, même oui, si vous n'avez pas de jeu, vous regardez Game One, vous essayez de le faire. Essayez de renverser des meubles comme nous, on fait des poteries, des trucs. Parce qu'il faut quand même de l'espace. Hop. Oh, x9. On est à mort dans le combo. Attention. Ah, c'est la fin de l'émission déjà. Oui, ensuite, c'est pas il a perdu son bracelet porte-bonheur. Oh, Marcus, c'est la fin de l'émission. J'ai une prise de guerre de bracelet fétiche de Julien. Marcus a c'est gagné. C'est moi qui l'ai. C'est quoi, c'est avec ça qu'il gagnait. C'était mon vrai. Ouais, c'était du vaudou. Il gagnait grâce à ses cérémonies vaudou. Eh bah oui, bah oui. Eh bah je le mange, tiens. C'est des amis à moi qui ont composé le remix de Mozart, c'est pour ça. Bon, merci Marcus. Écoute, c'est une belle victoire. Pour une fois que tu gagnes, il a mangé. Ah, bah il a mangé. Oh, c'est dégueulasse. À très bientôt dans un prochain versus. Je gagnerai, pas de vaudou cette fois. Ah bah il est là maintenant, il est parti. On va attendre que ça sorte.